Storytelling Challenge, le pouvoir des mots. Articuler des idées avec des mots et passionner les autres avec nos histoires est tout un art. Et cela peut se révéler très utile dans bien des circonstances. Souvent, c'est cette compétence qui détermine nos succès et nos échecs. Au début, cette compétence se pratique à l'aide de narrations créatives. On encourage les élèves d'école primaire et du premier cycle de l'enseignement secondaire à écrire leurs propres histoires après leur avoir soumis des images et des débuts de phrases ou de textes courts. Les élèves du second cycle d'enseignement secondaire apprennent à éveiller et maintenir éveillé l'intérêt d'un public par la narration. En évoquant dans une histoire un objet banal, quotidien, les jeunes en font quelque chose de spécial. Ce challenge peut également être relevé dans une langue étrangère. Le challenge se poursuit, mais avec des règles plus strictes. Les élèves présentent leurs idées commerciales à un groupe d'investisseurs, mais ils n'ont droit qu'à une minute pour vendre leur idée. Qui plus est, ils doivent faire mieux que leurs concurrents. Leur tâche n'est pas facile et demande beaucoup de savoir-faire en termes de narration. Selon le modèle TRIO, le Storytelling Challenge est une composante essentielle de la culture entrepreneuriale parce qu'il encourage le développement de comportements et d'un esprit d'entreprise. Nous vous souhaitons de pouvoir raconter de nombreuses success stories avec le Storytelling Challenge. Pour plus d'informations et de documentation, rendez-vous sur notre site www.ustart.eu.